Good morning, allez Yiden, les tutoras aujourd'hui, le Lung Shmat Mori de Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Areni Kabarat Mishkavo, Nissim ben Aouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Abad Chaim Nechemia, ainsi que le Fouat Eliou Machlov ben Chana, Ariel Rebbe ben Shachar, Rafael Zoud ben Chemalia, et Avraham Uri ben Reout, Betoch Shav Chol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Ovariot, Perek Aleph, Mishnah Bet. Horu bet din, veyadou shetaou, vechazrou ben, ben sheviou kaparatan, ou ben shelo eviou kaparatan, vealach, veasa al pihen. Rabbi Shimon poter, Rabbi Eliezer omer, safek. Eizehu safek, yashav lo betoch beto chayav. Alach lo limdinat hayam patour. Ama Rabbi Akiva, moderni bazé shu karov liftour. מן החובה. אמר לו בן עזאי, מה ישנה זה מיושב, מן היושב בביתו? Alors là, il y a un petit problème, comment il faut dire la suite, mais c'est la réponse en fait, שהיושב בביתו, אפשר היה לו שישמע, וזה לא היה אפשר לו שישמע. Avant d'expliquer la Mishnah, deux rappels, tout d'abord, un rappel et une nouvelle halakha maintenant. Le rappel, c'est le sujet de Horayot. Dans ma Maseret Horayot, on va parler du Par Helem Davar Shel Tzibur. C'est une belle introduction à Kochim, ça nous permet déjà de toucher à plusieurs notions. Tout d'abord, lorsqu'un homme transgresse une Avera, sur laquelle on est passible d'un Karet, lorsqu'on la transgresse Beshogeg par inadvertance, on doit apporter un Korban Khatat. Ça, c'est pour un individuel. Ce qu'on appelle le Khatat Yachid, d'un individuel. Lorsque la transgression prend une ampleur nationale à cause du Sanhedrin de Dieu d'Yerushalayim, c'est-à-dire le Sanhedrin de Yerushalayim s'est trompé et a donné une instruction, a permis de faire une chose qui est interdite par la Torah. Par exemple, on avait pris le cas qu'il a permis une part de gras de l'animal qui était en fait, qui faisait partie des chélev, du chélev assour et pas du shuman, pas de la graisse. C'était pas de la graisse permise, c'était une graisse interdite. D'accord, ou peu importe, il y aura encore plein de cas. Ils vont permettre une couleur de sang de femme en disant que non, ça ne s'appelle pas du sang. Alors qu'en réalité, c'est du sang, que la femme, elle était Nida. Pour toutes ces avérotes-là, on est passible d'un korban, d'un karet bémézide, donc retranchement, ou beshogeg d'apporter un korban khatat. Lorsque maintenant, la avéra prend une ampleur nationale à cause du Sanhedrin, le Sanhedrin a permis une chose qui était interdite, s'est trompé et a permis une chose qui était interdite, alors il faudra. Lorsqu'un individuel va transgresser, il ne devra plus apporter lui-même, à titre personnel, un korban khatat, mais ce sera au Bet Din de Yerushalayim, comme on l'apprendra longuement, au Bet Din d'apporter lui-même un korban par Helem Davar Shel Tzibur, d'apporter, cette fois-ci ce sera un taureau, il faudra apporter un taureau, et il y aura un rituel bien particulier sur son korban, c'est beaucoup plus grave et solennel. Il faudra faire entrer son sang à l'intérieur du Echal, du Bet Amigdash, à la différence du sang d'un Khatat classique que l'on verse uniquement sur les quatre coins du Mizbeach. Donc ça c'est pour le Par Helem Davar Shel Tzibur. Maintenant, deuxième introduction maintenant, c'est savoir c'est quoi un Hasham Talouy. Vous avez déjà vu sûrement si vous lisez la Mishnah de Ezoum le Koman Shel Sevachim avant la Tfila, c'est important de la lire si vous pouvez le faire. Là-bas, il y a un korban qui s'appelle le Hasham Talouy. Lorsque j'ai un doute, est-ce que j'ai transgressé une avéra sur laquelle on est passible d'un korban khatat? Je ne sais pas, par exemple, j'avais deux morceaux de gras. Je savais que, après coup, je savais sur place qu'il y avait un qui était du shuman et l'autre qui était du khelev. Donc deux formes de gras, un qui a permis, un qui a interdit. Ils se ressemblent tous les deux. C'est la même chose, extérieurement, c'est la même chose. Si c'était de l'animal, c'est pas la même partie. Donc il y avait deux morceaux, un qui était du shuman, un qui était du khelev. Et j'en ai pris un, je me suis fait mon sandwich, et l'autre, je l'ai jeté à la poubelle parce que c'était le pas cachère. Et puis, après avoir mangé, je commence à dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mangé le permis ou j'ai mangé l'interdit? Et j'ai un doute. J'ai un doute, est-ce que j'ai transgressé un issur khatat? La Torah m'a dit, dans ce cas-là, tu apportes un korban Hasham Talouy. C'est une autre forme d'expiation, avec des conditions différentes, qu'on aura l'occasion, bien sûr, de découvrir plus tard, mais en tachem. C'est ce qu'on appelle un Hasham Talouy, qu'on apporte sur un Safek. Donc, sur un, je reprends maintenant, donc trois korbanot pour le moment, on a évoqué, un Khatat
yachid, un khatat classique. Un, par helem d'abar shel tzibur, le korban que l'on doit porter pour la transgression nationale, on va l'appeler comme ça pour histoire de facilité, ce sera un nom de code entre nous, la transgression nationale, même si ce n'est pas exactement national, c'est la majorité, même la majorité d'une tribu, comme on le verra. Mais en tout cas, donc, une transgression nationale. Et à part ça, apporter un korban Hacham à cause du doute. Un Hacham Taloui. Taloui, ça signifie que peut-être oui, peut-être non. D'accord ? Dans le doute. Ça, c'est le Hacham Taloui. À présent, on commence la Mishnah. Horu Bet Din. Le Bet Din a donné son instruction de permettre une chose qui était interdite. Par exemple, tel morceau de gras, ce n'est pas du chélev, c'est du shuman, donc c'est permis. Et ce qui s'est passé, c'est que Veyad'u Shetaou, après 2 jours, ils réalisent leur erreur. Vechazrou Ba'en, et ils sont revenus sur leurs paroles. Ils ont publié autant que possible sur tous les murs, ils ont accroché des affiches dans les journaux, à la télé. Ouais, vous savez, la télé, ça résolut bien des problèmes à l'époque. Ça en aurait créé d'autres, mais en tout cas, celui-là, ça l'a résolu. Ben Sheviu Kaparatan ou Ben Sheviu Kaparatan. Donc après que le Bet Din ait fait tshuva et ait publié leur erreur, peu importe s'ils ont déjà apporté leur sacrifice ou qu'ils n'ont pas encore apporté leur sacrifice, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Vehalach Veasa Alpien, il y a eu un individuel, lui qui habitait un peu plus loin, quelqu'un qui était pas tellement, qui communiquait pas tellement avec l'extérieur, et là continue à faire sa Avera, à manger cette partie de gras, parce qu'il pensait que c'était permis, puisque le Bedin avait donné l'instruction. C'est-à-dire, il a entendu la permission du Bedin, sans entendre qu'ensuite le Bedin, le Sanhedrin, a annulé leur permission, et au contraire, a rectifié leur erreur. Donc, maintenant, il a transgressé en se fondant sur l'instruction du Bedin. La question, elle est de savoir, est-ce qu'il devra apporter un korban individuel de khatat ? Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon l'en dispense, parce que Rabbi Shimon il va nous dire, bah, il n'est pas du tout fautif. Le fautif ici, c'est le Bet Din. Même si le Bet Din, il a déjà apporté sa capara, malgré tout, lui, cet individuel, n'a rien à se reprocher. D'accord ? Il n'a fait aucune transgression, au contraire, il a même accompli la belle mitzvah d'écouter les divrei chachamim, que quand ils te permettent une chose, bah, elle est permise. Il n'a pas été induit en erreur, il n'est pas en train de se fonder lui sur son erreur personnelle, il se fonde sur l'instruction du Bedin, donc il n'a pas de korban à apporter. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Mais Rabbi Eliezer, Omer, tandis que Rabbi Eliezer, il nous dit, ça fait. Il est en situation de doute. Pourquoi ? Plus précisément, parce que en réalité, il faut avoir les antennes qui captent. Selon Rabbi Eliezer, il y a ici une part de responsabilité. Donc, est-ce qu'il avait une grande responsabilité ou pas assez? Mais en tout cas, il a peut-être quelque chose à se reprocher qu'il aurait peut-être pu l'entendre. Peut-être qu'il aurait pu s'intéresser un peu plus avant de manger, demander à un voisin si c'est encore permis. Ouais, il y a ici quelque part, si on peut dire, un brin de reproche. Rien de grave, rien de très grave, il n'a pas fait. Mais il devrait quand même apporter son korban Hacham Taloui à cause du safek, parce qu'il a un doute à titre individuel. Eizehu safek, mais à partir de quand je considère qu'il y a un doute? Quand Yashavlo Betoch Beto, quand il était assis tranquillement chez lui à la maison. Donc tu étais assis à la maison, tu étais à l'aise, il n'y avait aucun souci sur la tête. Donc, dans une situation pareille, il faut écouter est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à l'instruction qui a été donnée. Par contre, si halachlo limdinatayam, par contre, alors littéralement tel que c'est rapporté, halachlo limdinatayam, s'il est parti à l'étranger, patour, il sera dispensé d'apporter le korban. C'est-à-dire en fait, Rabbi Eliezer, tel que c'est présenté pour le moment, il nous propose 2 situations. Une, si tu es en situation tout à fait normale à la maison, donc tu dois suivre qu'est-ce qui se passe. S'il y a eu du changement, tu aurais dû en être au courant. Les bruits courent les rues, il faut juste ouvrir la fenêtre et mettre l'oreille. Et t'entends que ça parle, facilement tu aurais pu en prendre conscience. Par contre, si, alors littéralement, tu étais en train de partir, donc tu étais sur la route déjà, tel que c'est écrit, alors tu es dispensé parce que on n'a aucun reproche à te faire sur le fait que tu n'es pas entendu. T'étais pas là. Ça, c'est tel que c'est rapporté. En réalité, si vous lisez le Bartanoura, il va nous dire Velav davka halach, et la irzik baderech la lechet afalpisha adain lo halach. Il rapporte au nom de la Gemara, et ça va être expliqué en fait par Rabbi Akiva ensuite,
qui nous dit qu'en réalité, c'est même pas la peine d'avoir déjà pris la route. Il suffit uniquement d'être en train de se préparer à partir pour nous dire, toi, maintenant, t'es plus paisible dans ta maison, t'es préoccupé par le transport, t'es en train de chercher faire tes valises, prendre ta brosse à dents, et qu'est-ce que tu dois penser, pas prendre, ouais. Et de ce fait, on ne te reproche pas le fait que, c'est-à-dire, t'as rien à te reprocher, t'as aucune responsabilité sur le fait que tu n'as pas entendu le bruit qui courait de rue parce que t'étais préoccupé chez toi à la maison. Et Rabbi Akiva nous dit, en réalité, ce qu'on sait, c'est grâce à Rabbi Akiva. D'accord ? Parce que la Mishnah ne semblait pas le dire, mais c'est ce que Rabbi Akiva, en fait, le dévoile. C'est un peu entre les lignes, il y a un problème de lecture, en fait. Mais Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous dit, « Modela ani baze shehu karov liptur minachova. » Je reconnais donc que dans un cas pareil, où il est sur le point de prendre la route, qu'il est plus proche de le dispenser, de le rendre complètement, de le déculpabiliser totalement, il n'est pas du tout responsable de son acte, il est plus proche d'être dispensé totalement que d'être minachova, que d'être responsable. D'accord ? Amarlo ben Azaï, il lui a rétorqué, ben Azaï, il lui dit, mais je ne comprends pas, c'est pas vrai. Ma shana ze mina yoshev beveto. Quelle différence y a-t-il entre celui-ci qui est sur le point de prendre la route ou celui qui est assis paisiblement chez lui ? Arrête, si le problème il est que tu dois écouter ce qui se passe, les bruits qui courent les rues, les voisins qui parlent, t'entends une foule qui parle, tu dois aller prêter oreille. Alors dans ce cas-là, même lorsque tu es encore chez toi à la maison, tu dois maïchnazem, il mène un chef beveto. Quelle différence entre celui-là et celui qui est assis tranquillement chez lui à la maison ? Sur ça, Rabbi Akiva lui rétorque en lui disant « Shayoshev beveto efsharayalo sheishma » Car celui qui est assis chez lui tranquillement à la maison, « efshar hayalo lishmoa » il avait concrètement la possibilité de suivre les nouvelles. « efshar hayalo sheishma » Il avait la possibilité concrète d'écouter. « Veze lo haya efshar lo sheishma » Tandis que celui-ci qui s'apprêtait à prendre la route, il n'était pas apte à prêter oreille au bruit qui courait les rues, et de ce fait, c'est pour ça que dans ce cas-là, je le dispense totalement lorsqu'il était sur le point de prendre la route. Si je récapitule, donc concrètement, on a trois avis dans la Mishnah pour celui qui n'a pas entendu les nouveaux bruits du Beit Din qui court, que le Beit Din est revenu sur la permission, qu'ils ont commencé à interdire. Il y a Rabbi Shimon qui nous dit, écoute, t'as aucune culpabilité, t'es complètement défait de toute responsabilité, tu ne devras pas apporter de korban à titre individuel, puisque tu te fondes sur le Beit Din. Rabbi Eliezer propose lui quelque chose qui est... Il y a une petite discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ben Azaï sur son avis, à savoir, selon Rabbi Eliezer d'abord nous dit, ça c'est vrai que quand tu es... C'est-à-dire, à partir du moment où tu es assis tranquillement chez toi à la maison, tu dois oui prêter oreille au bruit qui court, tandis que si tu es en train de prendre la route, alors tu seras déculpabilisé totalement, tu ne devras pas porter de korban individuel, mais avec une petite nuance entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Ben Azaï nous dit concrètement que si tu as pris la route, mais tant que tu es encore chez toi à la maison, tu dois écouter le bruit qui court, et de ce fait, tu as un certain reproche, tu devras apporter un korban khatat. Et on a Rabbi Akiva qui va nous dire non, dès que tu étais préoccupé par ton voyage, de ce fait, tu es complètement déculpabilisé, donc tu ne devras pas apporter de korban khatat yachid. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, selah.